Bonjour, là sur Mécanique TV aujourd'hui, je vais vous expliquer le système de l'antidémarrage sur un véhicule. Voilà, quasiment c'est tout. Sur tous les véhicules, c'est le même principe. Des fois, on a un problème de clé qui ne démarre pas. Le véhicule ne démarre pas, la voiture ne reconnaît pas la clé. Des fois, il se peut que la clé, elle est le transpondeur et HS. De là, il faut reprogrammer une nouvelle, mais des fois, ça provient de l'antenne qui se trouve sur le Neyman. Pour ça, il y a des appareils pour tester l'antenne, la réception du transpondeur et vérifier si l'antenne est active ou non. Ou des fois, on trouve, ça peut arriver que le fil est coupé. Voilà, ça arrive que des fois le fil est coupé. Là, je vais vous montrer sur un autre Neyman. Voilà. Des fois, il arrive que ce soit coupé à ce niveau-là, au niveau des entrées des fils. Donc là, bon, le mieux, c'est de changer une antenne, hein. On en trouve sur eBay un peu de partout. Voilà. Voilà, des fois, c'est pas grand-chose, mais il faut chercher la panne. Et c'est le petit truc. Déjà, des fois on se dirige directement sur la clé alors que des fois c'est l'antenne. Bon, si on vérifie pour la clé, avant de programmer une nouvelle, on vérifie l'antenne, on vérifie s'il émet quelque chose. Et après, s'il émet quelque chose, on reprogramme la clé. S'il émet rien, il faut changer d'abord l'antenne. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo, pour cette petite explication. Et je vous dis à bientôt sur Mécanique TV. N'oubliez pas de partager et cliquer sur j'aime. À bientôt sur une prochaine vidéo.